Salut tout le monde, c'est Agiasia. On se retrouve pour Final Fantasy X-2 et on va aller à Kilika parce qu'on avait été à Bézéi la dernière fois. Voilà, on a failli mettre le feu, etc. Et en parlant de feu, bah, Kilika on va pas être déçu, croyez-moi. Donc bah c'est parti. Donc préparez-vous bien. Je vais rester avec Flambeuse Alchimiste Berserk, c'est super. Alors, Kilika. Des monstres dans le temple, des monstres sont apparus dans le temple de Kilika. Mais la ligue bloque l'accès à la forêt. Il va falloir trouver un moyen de passer le barrage. En route. Un moyen de passer le barrage. Ce RPG, on trouvera toujours un moyen. C'est pas compliqué. Je suis sûr. Alors... on va aller voir notre copine Donna. Ouais, enfin, si on peut dire ça. Elle est toujours antipathique, celle-là. Oh. Pas un sourire. Rien du tout. Donc du coup, je vais faire aussi le connard, mais... c'est... écoute, elle l'aura cherché. Oh, zut. Donc, on va chez elle. My. What brings you here? We heard fiends were coming from the temple. And you just had to come running. Well, I wouldn't say that. I'm not even so sure there are any fiends. You haven't checked? I'm in the Youth League. Do you think they'd let me in the temple? So now what? We giving up? Let's take a look first. You'll never get near the temple. The Youth League's blockaded the forest entrance. As they should, we can't have those temple vermin crawling into town now, can we? Besides, it spares me from having to see that sulky face. Sulky face? Bartello? Of course, he's with New Yevon, so naturally he's in the temple. But then it's really none of my business. Then we'll make it ours. Besides, I'm worried about the fiends. If you want to go that badly, I won't stop you. But they're turning people away at the gate. I've got it. I'll distract one of the guards. That's your chance to run through. I knew she was worried about him. C'est clair, c'est grillé. Si elle en avait rien à foutre, elle nous aurait pas aidé. Enfin, elle nous aiderait pas là à ouvrir le portail. Enfin, plutôt à nous infiltrer, puisque l'ouvrir, il est bien gardé. Et elle va essayer de nous faire passer en douce. Et oui, je pille encore son toit, voilà, comme au chapitre 1. Ça, c'est parce que... eh ben, elle est pas sympa. Enfin, si, elle est sympa, mais... mais on va dire que c'est une excuse pour pouvoir récupérer quelques guilds. De toute manière, 2000 guilds, c'est vraiment une pauvre. I think it's working. That leaves one. Let's wait for our chance and take it. Eh ben oui, ce serait cool, on va pas attendre la cinglinglin. Alors, passez le barrage. Profitez de la diversion que fait Donna pour franchir le barrage discrètement. Guettez le moment où la porte s'ouvre. C'est vachement simple. Il suffit d'avoir le bon timing et pas avoir la poisse. Ce qui n'est pas gagné, surtout que en vidéo, on a tendance à avoir plus la poisse que normalement. Alors astuce, le garde ouvre la porte lorsque un partisan de la ligue se présente. Ouvrez l'œil. Attention, le garde avec qui Donna discute. Oui, donc t'as vu, vraiment mal poli le garde. Hein. Elle discute et puis lui il tourne le dos, puis après, pff, 180 degrés. Tu sais, il a des roulettes sur ses pieds. Alors, voulez-vous faire quelques essais? Honnêtement, pas la peine. On n'a qu'une chance par contre. Si on se loupe, c'est pas grave.
Mais bon, le mieux c'est de réussir parce qu'on gagne un petit accessoire sympa. Que j'utiliserai probablement pas, mais on gagne quand même un accessoire sympa. Passe pas. Bon, le truc d'un succès long, il faut attendre qu'il y ait un partisan de la ligue qui se prend. Voilà. Ouvrez la porte. Dès qu'on voit la porte commencer à s'ouvrir, on change d'angle de vue. On regarde s'il est retourné. Et il se retourne pas. J'ai pas de chance. J'aurais pu passer, mais c'était trop limite. Je préfère. Là, j'ai vraiment la poisse quoi. Le type il s'est retourné jusqu'à ce que la porte se ferme. Vous ne pouvez pas passer. Ah, mais. Allez! Ah, il manquerait plus qu'une mamie et ce serait vraiment là le pompon quoi. Ah, quand même. Ouvrez la porte. Et merde, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah. Mais OMG quoi. Ah. Oh là 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 là, vas-y. Je vais refaire comme tout à l'heure, la même blague. S'il y a une mamie qui se présente, je me coupe. Je m'arrache, je me pends. Oh. Et voilà, une mamie. Bon, j'en ai marre, je vais le faire ma vie. Parce que c'est bon quoi. Ah. Veuillez nous excuser pour cette tentative de suicide inopiné. Ajaccia revient tout de suite. Avec encore plus de séquelles. Très plus qu'un. Ah bah non, c'est bon. Mais. Ouvrez la porte. C'est bon. Voilà. Allez, on chope le coffre. Et ce qu'on a fait, ça sert à rien. You, what are you doing? Run! There's a hidden path through the woods. Walk the treetops. Et puis elle gueule ça, tu sais, à côté des gardes. Les gardes vont faire, oula, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, mais t'as fait ta salope, tu m'as dissuadé. Ah bah, eh ben, tu vas prendre cher. Et après, je vous laisse imaginer ce que Donna risque, même. Bon. Quand je vous disais qu'il allait avoir le feu, hein, et... ah, mais allez, ils ont hésité, et ben là, il y a déjà le feu, donc. Alors, on va devoir donc trouver un passage, si possible, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc là, il. Je sais pas ce qu'il leur prend. C'est des débats entre politiciens. Entre la Ligue et Yu-Yevon. Neo-Yevon. Je sais pas pourquoi je dis Yu-Yevon à chaque fois, j'en ai marre. Bon. Là aussi c'est bloqué. Et évidemment, là aussi. Donc, on est coincé. Et on va devoir écouter le conseil de Donna, c'est-à-dire monter aux arbres. Et pour ça, ben. Voilà. Faut se rendre. Donna said there was a hidden path. Waouh, quel passage secret! Bon, bah, au moins on a pu passer, c'est cool. Ah, autre chose, bracelet de paix. Je le répète sans cesse, mais c'est tellement utile. Ça fait gagner un temps fou! Thank you.
Voilà, alors on est arrivé au temple. C'est plutôt rapide. Il y a tout le monde qui s'enfuit. On se demande pourquoi. Mais combattez au lieu de vous enfuir là! Il y a des monstres! Oh, c'est pas vrai! Ils sont inutiles, hein! C'est religieux là! Ils ont des guns et tout, ils s'en servent même pas! Ah, ça m'énerve! Oh! Alors, suce au monstre. Rétablissez l'ordre en se débarrassant des monstres qui a le temple. Oh, bon bref, vous avez compris. J'ai pas envie de la refaire. Ah bah voilà. Là, ils utilisent leur gun. Là, c'est bien. Je trouve ça cool les flammes bleues personnellement. Quelle déveine. Je suis venu exprès pour écouler ma marchandise, mais c'est pas cool dans cette situation. Bah faites voir la marchandise quand même. Qu'est-ce qui est intéressant, que dalle. Alors Shinra installe sa petite sphère, sa cam sphère, sa visiosphère. L'Otichial veut sa maman. Le pauvre, il a été séparé de sa maman dans la bousculade. Allez, sèche tes larmes. T'es un grand maintenant. Ah, t'inquiète pas. C'est pas pour ça, mec. Pleura encore. Ou pas, enfin, je m'en fous. Alors, on sera bientôt à court de munitions. Ah bon? Depuis quand, à court de munitions? Je croyais que dans les RPG, ils avaient munitions à l'infini, les gens. Oh, puis zut. Des fois ils appliquent la logique, des fois ils ne l'appliquent pas, et ben oh, tant pis, je trace. Pas besoin de l'aide de la Ligue des Jeunes. Nous pouvons défendre notre temple nous-mêmes. J'ai comme un doute. Au revoir. Non mais sérieusement, oui, ils peuvent le défendre eux-mêmes. N'empêche qu'ils restent quand même à l'extérieur, hein, ils osent pas rentrer. Ah. Oh les belles flammes. J'ai toujours été un fan des flammes bleues. Ouh, et des machines. On remarquera l'utilité des machines qui sont à l'intérieur là, mais qui devraient aller carrément dans la salle de l'épreuve. Là, vous servez à rien, là, les machines. Oh, merde. Oh. Pim. Bon, il y a un point de sauvegarde. Il y a pas mal de monstres à l'intérieur. Ils sont plutôt costauds. J'ai envie de dire sauvegarder là, et puis voilà, c'est tranquille. Moi je sauvegarde pas. Je sauvegarde pas, pas la peine. Alors, on arrive dans la salle de l'épreuve. Je le redis une millième fois. Ah bah, il y en a des robots en fait. Bon, ils font que une courrière là, ils tirent même pas rien, enfin ils se zut. Pourquoi il est par terre lui? Hé, hey, réveille-toi! Hé, hey, c'est maudite flamme, c'est à cause d'elle! Ah, bon. La bataille fait rage derrière cette porte. Nous faisons tout notre possible pour venir les monstres. Ouais, j'arrive! Ah, heureusement que je suis là, putain. Les héros de RPG, ils sont toujours là pour sauver. Et ben en fait, non, mais c'est parce que c'est des héros, c'est normal, je crois. Oh! J'adore ces monstres. Alors, piller, casino, jackpot hasard. Je vais essayer, hein. Je promets rien. Je suis planté. Pas grave, il est mort. N'empêche que je me prends les dégâts quand même. Voilà, ça fait ça quand on se loupe.
C'est pas cool. On se prend des espèces de... de bassines sur la tête. C'est tout japonais. Bartolo? I'll be okay. The fiends? We're holding them off, somehow. They're coming from inside. One after another. Oh! The fiends reach the town, they'll reach Donna! They won't. Thanks. Donna wants to see you. Well, she didn't come right out and say it, but you can kind of tell. I want to see her too. Even if we believe different things, I'll always feel the same about her. The time of the summoners may have passed, but I will always be Donna's guardian. I live only to protect her. And you can say that with a straight face? Donna! Mon Dieu! Avec la musique un petit peu angoissante qui s'annonce, en plus, c'est pas mal, joli enchaînement. Alors, il va y avoir pas mal de combats obligatoires. Je me soigne. Avec ces mêmes monstres. Le mieux, c'est pas perdre de temps, prendre la piste ancienne. Mais bon, je vais quand même essayer de faire les... Non, en fait, les 3-7, c'est trop long. Je vais prendre la piste ancienne. Voilà. Parti. Les combats là ils sont un petit peu compliqués si on n'est pas préparé et si on n'a pas des trucs bien bourrins comme moi j'ai là. Ouais. Elles sont juste longs, elles sont pas dures, elles sont longues surtout. Wouah! Il s'est mangé du 4200 là, la peine elle est vraiment vraiment pas contente. Ah! Alors, bah là, il y a 3 flammes, donc il va y avoir 3 combats, évidemment. Oh, comment l'enchaîne, Pain ! Abusé ! Ça va vite, hein, y a pas à dire. En temps normal, c'est long, ouais. Voilà, je poutre. Déjà ? Mais genre, quoi ? Pain, mais elle est trop pétée, là ! Waouh ! Peut-être une faiblesse aux éléments tonnerre et eau, je ne sais pas. En tout cas, ça va vite. Et ça s'ouvre. Il y en a 2 cette fois. Oh, ce sera pas plus facile. Enfin, non, ce sera pas plus compliqué plutôt. Ah! Boum! Et il y a un truc à pas oublier, c'est que sur le sol, si vous avez bien remarqué, il y a une sphère.
Et c'est la vétisphère samouraï. Que je me servirai pas. Étrangement, je m'en suis servi beaucoup lors de mes premières parties. Je crois parce que c'était à cause d'Ikari, ou enfin un sort qui était basé sur le nombre de tués. Donc du coup, ça faisait 4000 par coup, ce qui était pas mal lors de ma partie. Hein, j'étais pas aussi pété que maintenant. Là, maintenant, moi, 4000, c'est bidon. Alors, vu qu'il y a un boss, je vais prendre la flambeuse et tenter Ultima. Je sais, c'est pas très très cool ce que je fais là, mais contrairement à Troublant, c'est pas de la triche parce que c'est... Bah c'est petit ou double. Soit je prends cher, soit le boss prend cher. Again. An Aeon? Yeah. I'm ready. Et c'est parti. Ifrit obscur cette fois. Oh. Pourquoi? Bah pourquoi, j'en sais rien. Allez, jackpot magie. Parti. Et c'est déjà loupé. Ça fait comme Valfort. Sauf feu. Hein? Ouais, bof. Pas trop mal. Ouf, j'ai rien dit. Faut quand même me soigner. Ah bah non, en fait, c'est bon, Yuna s'en occupe. Ça fait comme Valfort, ce que je dis. Oh yeah! Tu vas prendre pour ton grade, mon petit. Et Pain, fais pas ton kéké, Pain. Magma. Ouh. Ça va. Je tiens debout. Au revoir, Ifrit. Je l'aimais bien, hein, Ifrit. Pendant FF10, trouvais sympa comme invocation. Another hole. Oh non, c'était mieux le bleu. Et c'est la victoire, on a gagné. Mission accomplie. Et on regarde la flamme qui est devenue moins cool. Anneau d'ange. Je sais plus ce que ça fait. Bon bref, de l'XP, ce qui est good. En plus j'ai XP x2 avec Luna grâce à la flambeuse. Et on a fini avec Killika, me semble. On retourne donc au vaisseau. Et je vais m'arrêter là. J'y record pendant un bon moment là. On va voir pas mal de montage. I know everything. So why were fiends coming out of the temples? The fiends didn't come from the temples. They came from the chambers of the faith. Right, exactly. But why?
I'm just a kid. The holes in the chambers of the faith, were they there before? No. So the holes must be new, right? There was one in Bavel too, a great hole. But that one was made by Vecnagon, wasn't it? That's true, but they're connected somehow. The halls are connected? Yes, but it's more than just that. Somehow I think there are deeper connections. Oh, that is deep, you know. Distress call from Jose Temple. Jose, is it Kipple? Looks like they got into some trouble trying to clear out the fiends. Right! Here's the order. Our wings! Forget it! Let people save themselves. What? You! Guess at you, Ned! Well, Una? Well, we'll just have to charge him a little extra then. Going, let's go! Aw, oh, can't we give him a discount? Ah, donc une petite cutscene. Et finalement, Temple de Jaws, et bah, ils s'en sortent pas. Je vous l'avais dit. De toute manière, on est toujours là pour régler les problèmes. Hein, donc, ils pouvaient pas s'en tirer eux-mêmes, c'était pas possible. Donc, on est à 54%. Mais. Donc, ouais, je m'arrête là. Et puis, bah, la prochaine vidéo, on fera un tour au Selenos, à Zanakend et. À la pleine félicité. Il y aura un truc bien chiant à faire à la pleine félicité. Il faudra secourir des gens. Mais bon. Il y aura un boss à la fin. Et il sera plutôt cool à taper. Parce qu'il est fort. Plein de points de vie. Donc je sauvegarde là. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et ciao, bye bye. Voilà.